Allez, on est parti. Si c'est bon pour tout le monde, bon, enchanté. Enchanté, très très content d'être parmi vous une nouvelle fois sur cette chaîne Webikeo et de pouvoir échanger sur un sujet qui m'est cher, qui est cher globalement au gros business, qui est le sujet de l'entraînement en situation professionnelle et qui est plus particulièrement le sujet des centres d'entraînement. Déjà, merci. Merci de prendre un petit peu de temps là dans des journées pour tout le monde qui sont bien remplies pour qu'on puisse échanger. Comme souvent dans ce type d'exercice, je vais vous montrer tout un tas de choses, pas mal parler, mais avec grand plaisir s'il vous plaît pour poser tout un tas de questions dans le chat. Il est fait pour ça. On aura un petit sondage au milieu, une petite pause pour vraiment répondre à toutes vos questions. L'idée, c'est toute l'idée pour nos business de participer, de transmettre un peu notre expérience. Business, c'est un organisme de formation professionnelle toulousain, principalement, et parisien. Moi, à Toulouse, ça fait maintenant 15 ans d'expérience professionnelle, 15 ans de projet de formation, une transformation, et maintenant en charge de l'offre Blended Learning du groupe Business, et donc l'ensemble des solutions permettant de mêler de l'humain et du digital au service de la montée en compétences. Bon, voilà, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le groupe Business, sinon je vous inviterai bien évidemment à voir le site internet. Aujourd'hui, ce qu'on a prévu là sur les 45 minutes, 1 heure, d'ailleurs, à partir de 15h30 jusqu'à un petit 16h30, c'est trois sujets, trois thématiques. La première, très rapide. J'espère que là, on est entre gens avertis de l'entraînement en situation professionnelle. Je vais revenir quand même sur la vision qu'on peut en avoir chez Business très vite. Mais l'idée aujourd'hui, c'est bien de rentrer dans finalement une des solutions. J'ai eu l'occasion il y a 2 semaines maintenant d'animer un autre webinaire qui était sur le volet plutôt du digital. Donc, comment s'entraîner avec des simulateurs d'entretien immersif. Et là, tenait à cœur avec toutes les équipes business de mettre le focus sur le volet humain et comment finalement monter, pourquoi, quelles ambitions autour d'un centre d'entraînement. Et puis, 4 très mauvaises pratiques à ne surtout pas reproduire. Et puis, on finira par les quelques bonnes pratiques ou les quelques points clés pour faire en sorte que si vous aviez un petit peu cette idée-là avant même de venir, d'avoir envie de monter un centre d'entraînement dans vos organisations, vous puissiez ressortir avec les bonnes recettes, les bonnes clés pour performer. Donc, on est parti. Je cache ça, ce sera plus agréable. Et on est parti sur le volet de l'entreprise apprenante. Pourquoi finalement, pourquoi le lien avec tout le volet formation? Alors, Pauline, là, que je remercie d'être à mes côtés, de m'avoir aidé là, à préparer tout ça, va vous mettre dans le chat un petit lien, un petit article que je recommande, moi, que j'aime beaucoup, d'une revue qu'on lit pas mal là, chez Business, Harvard Business Review. Il y a tout un sujet qui date d'il y a quelques mois déjà sur cette fameuse entreprise apprenante, sur quelque chose d'assez concret, permettant de passer du mythe à la réalité. Est abordé, allez, peut-être pas suffisamment à mon goût, c'est une petite remarque que j'avais faite sur mon compte LinkedIn, mais aborder le volet de la réflexivité et le volet des différentes modalités pédagogiques au service de cette entreprise apprenante. Clairement, pour Business, aujourd'hui, on voit dans les organisations qu'on accompagne, majoritairement des grands comptes, mais pas que, que ce sujet de l'entraînement, autant il est présent d'activité, on baigne dedans depuis qu'on est tout petit à l'école, les poésies, les poèmes, dans le sport bien évidemment, dans la culture, les hommes politiques et dans le monde professionnel qui est globalement quand même une grande partie aujourd'hui de l'activité économique de notre pays. Et c'est quand même un peu le parent pauvre, c'est en train de changer. Ça fait un paquet d'années chez Business qu'on a modélisé un triptyque dans nos parcours de formation. Assez simple, j'apprends, je m'entraîne, je performe, et on est en effet persuadé qu'aujourd'hui, l'entraînement amène la performance, et pas que, en tout cas la performance sur le volet humain, et c'est quelque chose qu'on défend assez ardemment, et j'espère que
que ceux qui sont présents et qui m'écouteront, voilà, en sont persuadés. Et s'ils ne le sont pas, vous le serez encore plus dans les semaines, les mois à venir. S'il y a des responsables formation, des RRH, on est tous en train de préparer l'année 2021. Et l'idée aujourd'hui, bah, c'est de voir comment. Voilà, comment concrètement on peut passer de ce mythe à la réalité également sur ce volet entraînement. C'est pas forcément complexe et c'est un peu ça que je veux essayer d'arriver à démystifier aujourd'hui. Donc voilà, donc focus aujourd'hui sur une solution 100% humain. Comment on remet, ça peut être les managers, ça peut être des animateurs, formateurs internes, externes, au centre des modalités d'entraînement en situation professionnelle. Pourquoi faire ? S'entraîner, ok, comment ? En situation de travail, possible, donc en situation réelle, ou en situation proche du réel. On verra comment on peut aborder ces deux notions-là. Pour quelles ambitions ? Finalement, elles sont assez nombreuses. Première ambition possible, ça peut être de diagnostiquer les compétences clés de collaborateurs qu'on accompagne. Donc, plutôt au début d'un parcours, une petite séance d'entraînement, voilà, en situation réelle ou en situation fictive, peut permettre de savoir, OK, le fameux point A qui va permettre ensuite de bâtir avec son collaborateur le point B. Et au-delà du point A et du point B, comment on y arrive ? Quelles sont les modalités sur lesquelles je vais t'accompagner ? Moi, manager, par exemple, dont mon job principal doit être d'accompagner mes collaborateurs pour leur permettre de progresser, d'être plus à l'aise. Volet donc du diagnostic. Volet également de la prise de conscience. Quelque chose que pédagogiquement, sur lequel on insiste assez fortement, encore très récemment avec quelques acteurs là, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, d'autant plus sur les thématiques qui nous sont chères chez Business, qui sont sur la posture, notamment, et de la méthode, tout ce qui tourne autour de la vente, du management, de la relation client. Mais au-delà de ces trois thématiques-là, j'imagine que j'ai là, dans cet auditoire, des gens qui ont envie aussi d'aller mettre de l'entraînement sur d'autres thématiques. Je vous y encourage fortement. Et le fait d'aller s'entraîner sur des situations et d'avoir surtout un débrief derrière sur des situations réelles ou fictives va permettre réellement aux collaborateurs de prendre conscience de ses forces, et c'est important, qu'est-ce que je fais de bien, et puis aussi, qu'est-ce que je peux améliorer, sachant que sur tout un tas de thématiques, finalement, ce que je peux améliorer, bah, des fois, ça ne se joue pas à grand-chose, ça se joue à une introduction, ça se joue à un sourire, ça se joue à une mauvaise blague, ça se joue à quelque chose que je n'ai pas vu côté de mon interlocuteur, et le fait d'avoir un formateur, un manager à côté qui va me permettre de mettre le focus sur 1, 2, 3 points que je n'ai peut-être pas vu, ça va me permettre de m'améliorer sur ma séance d'après. Ma séance d'après, c'est peut-être un entretien réel ou c'est peut-être un entretien fictif. Tout ça pourquoi ? Booster la confiance. Clé, en effet, d'arriver à avoir des collaborateurs plus à l'aise dans leur métier et donc derrière plus performants. L'audace, voilà, oser poser des questions que je n'osais pas poser jusqu'à présent. Encore faut-il qu'on vous le souffle à l'oreille. Traiter certaines objections que je n'osais pas traiter ou que j'esquivais un petit peu, oser les anticiper, oser argumenter de façon un peu différente, oser faire un feedback ou un débrief à mon collaborateur qui est peut-être un peu plus incisif que ce dont j'ai l'habitude de faire, mais qui permet au moins de se dire les choses. Finalement, oser d'être performant. Et c'est un peu ça, l'entraînement. Et si on fait le parallèle avec plein d'autres secteurs d'activité, on se rend compte forcément, s'il y a quelques sportifs, bah oui, il faut oser aller un peu au-delà de la limite quand on veut préparer un marathon, oser monter une barre un peu plus haute quand la Villénie, que je prends souvent en exemple, je l'aime bien, va faire de la perche, même si c'est un peu moins son heure de gloire en ce moment, ça l'a été. Oser finalement faire une tirade au théâtre ou en impro, c'est cette audace qui permet d'aller chercher cette performance et une des clés du succès pour Business aujourd'hui dans ses parcours de montante en compétences. Et une des grosses clés de réflexion, c'est comment on va chercher cette audace. On est persuadé qu'en effet, l'entraînement peut y contribuer assez fortement. Pas que,
On reparlera notamment, sans doute un peu, tout au long de ce webinaire, du rôle des managers, mais ça peut faire beaucoup de choses et ça peut déclencher tout un tas de réflexes. Alors, de quoi parle-t-on? Petite définition, qu'est-ce que c'est, encore une fois, pour business? C'est l'organisation de séances d'accompagnement régulières. J'aurais pu le mettre en corail, hein, ce régulier, mais séances d'entraînement régulière pour améliorer les pratiques et booster les performances de vos équipes. En collectif, en individuel, en face-à-face à distance, en situation réelle, en situation fictive, tout ça contribue à différentes modalités pédagogiques qui vont contribuer à la performance et à toutes les ambitions que j'ai listées juste avant. C'est ça, aujourd'hui, la définition qu'on peut donner chez Business de ce centre d'entraînement sur ce volet humain. Et moi, pour me permettre de faire une petite pause, je crois que j'ai derrière un petit sondage. Donc, je vais basculer de l'autre côté, je vais ouvrir les votes. Voilà, donc qui appartient aujourd'hui à une organisation qui a mis en place ce type de stratégie-là, ce type de centre d'entraînement au cœur de votre stratégie? À vous. De vous emparer du petit sondage. J'espère que vous le voyez sur la droite normalement. Trois choix, c'est mon cas. Non, on y réfléchit. Je reviens tout de suite, je prends juste une petite bouteille d'eau. Hop là. Alors, ah super, on a des trois cas de figure. J'ai super parce que ça va en effet, pour la personne qui est un preneur en tout cas, d'échanger là, il y a quelques personnes, c'est finalement assez équilibré. Ça monte. Allez, on est bon, un petit tiers, grosso modo, qui a déjà ce type de solution-là au cœur de sa stratégie de montée en compétences, bravo. Petite moitié, 40% non, et puis certains qui réfléchissent, ça tombe bien, c'est sans doute pour ça que vous êtes là, et je vous en remercie. Allez, je vais fermer les votes, paf. Et on avance, n'hésitez pas, vous me coupez les petites questions, Pauline me les remonte, et comme ça, ça permet de dynamiser un petit peu le webinar. Alors, les ingrédients, il y en a pas mal, j'en ai listé quelques-uns, je reviendrai sur des choses un peu plus opérationnelles derrière. Déjà, on est persuadé qu'il faut avoir des modalités d'entraînement diversifiées. C'est vrai d'ailleurs dans le monde aujourd'hui de l'apprentissage professionnel. On pense qu'il faut multiplier les différents types de modalités pédagogiques et on va voir, je ne sais plus combien on en a listé, mais il y en a bien, je crois, 6-7 finalement de modalités pas totalement différentes, mais avec des enjeux et des vocations un peu différents. La régularité, c'était dans ma définition, je suis assez lourd là-dessus, voilà, c'est pas parce qu'on fait une séance d'entraînement dans son année professionnelle qu'on est dans un centre d'entraînement. Alors, il en faut pas forcément toutes les semaines, mais le passage à cette entreprise apprenante, à cette entreprise entraînante, c'est cette capacité, peut-être tous les mois, tous les trimestres, avec un manager et quelqu'un d'externe, de faire ce petit entraînement de 30-45 minutes qui va permettre finalement de revoir les fondamentaux, de se remettre dans ces petits axes de progrès qu'on connaît globalement chacun, peut-être certains qu'on connaît moins, mais le naturel revient au galop. Cette vision réflexive, elle est indispensable. Alors, très à la mode depuis qu'on parle de formation en situation de travail, au cœur de cette modalité-là. Mais pour autant, de se faire le petit débrief après un webinar, bah tiens, comment je me suis senti, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, après un entretien, quel qu'il soit, c'est pour nous assez essentiel pour aller encore plus loin dans ce fameux ROI formation et ce booster de prise de conscience. Et puis le volet performance, pour ceux qui connaissent un peu business, notre baseline là, promesse client, c'est expérience for performance. L'expérience, on va l'avoir là, mais le sujet de la performance, de la mesure de la performance est essentiel pour savoir concrètement
si je me rapproche ou pas de mon fameux point B, de la même façon que c'est essentiel pour un sportif d'arriver à mesurer finalement les progrès qu'il peut faire. Ça contribue fortement à l'audace, ça contribue fortement à la confiance en soi et aussi à savoir finalement se dire les choses. Quand ça ne va pas, bah, ce n'est pas grave, mais au moins ça permet derrière de s'améliorer. C'est bien tout l'enjeu de l'entraînement. Alors, quelles sont les modalités possibles d'un centre d'entraînement? On en a listé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une dizaine, collectif, individuel, face à face, à distance, situation réelle, situation fictive. Je ne vais pas toutes les détailler, je vais peut-être en détailler certaines pour clarifier, puis je répondrai surtout à vos questions. Intéressé de savoir parmi ceux qui ont un centre d'entraînement, ceux que vous utilisez, il y en a peut-être d'autres d'ailleurs qui n'y sont pas et que vous utilisez et qui marchent bien. Finalement, on a quoi? Sur le volet face à face, on a déjà les fameux présentiels, mais des présentiels, alors on parle nous de training day, déjà dans le marketing qu'on va donner à cette journée ou à cette demi-journée, on va aller s'entraîner, ça peut être vie ma vie de manager, vie ma vie de commercial, je démarre à 9h, je finis à 18h et j'enchaîne tout un tas de cas pratiques au plus proche du réel de ma vie de manager, de collaborateur, dans les situations que je vais vivre dans mon quotidien, que ce soit en entretien, que ce soit sur site, et je vais enchaîner comme ça les mises en situation, les débriefs avec mes pairs et le retour d'expérience. Quelque chose qui marche très bien, on verra après les petites recettes opérationnelles, je vous en donne une première, le nombre, c'est-à-dire que si en effet on est sur une journée présentielle à 12, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une journée rythmée, d'avoir une journée qui va permettre d'être dans l'entraînement et à chacun de passer derrière devant ses pairs, d'être bousculé, certes, mais de progresser. Toujours sur ce volet face à face, quelque chose également voilà, dans l'air du temps, là, ces actions de formation en situation de travail. On fait, nous, depuis 13 ans maintenant chez Business, qu'on appelle du monitorat terrain, qui est peut-être un peu moins fort en termes de réflexivité, ce que demande une action de fest, mais c'est globalement en situation réelle, en point de vente, pour un manager, pour un collaborateur siège, finalement d'avoir quelqu'un qui va l'accompagner. Sur un centre de relations clients par exemple et qui va en tout cas plutôt pour un manager parce que sinon on sera plutôt à distance qui va finalement être dans la vraie vie avec quelqu'un en derrière lui qui va être là plutôt pour l'accompagner et lui faire le débrief réel derrière de ce qu'il aurait pu faire de mieux, moins bien et au-delà du débrief dans ses actions de fest. Bien évidemment, d'avoir cette fameuse phase réflexive, de dire, OK, comment toi, collaborateur, toi, manager, tu t'es senti finalement sur l'heure qu'on vient de passer ensemble, sur les objectifs qu'on s'était fixés, et qu'est-ce que tu pourrais, d'après toi, améliorer? Et derrière, d'être dans la co-construction d'un plan d'action. On est sur le volet face à face. Sur le volet à distance, forcément, qui ont pris un essor considérable là, depuis 6 mois, on parle, nous, de classe virtuelle training. Finalement, c'est comment on passe de ce fameux training day en présentiel, en distanciel, à partir du moment où les liens techniques sont maintenant de moins en moins un frein, où on a tous Teams, WebEx, Cisco, et j'en passe. On est capable, encore faut-il le concevoir comme ça, d'avoir une session d'une heure et demie de training à distance. Alors pareil, attention au nombre, on coupe les caméras, il y en a deux qui restent, et puis soit en visio, directement avec le son, on est capable de dérouler des cas concrets, de s'entraîner, de débriefer, et d'avoir ces partages d'expériences clés derrière pour arriver à monter en compétences. Ce volet collectif, on reparlera un peu plus tard de la force de la formalisation, est essentiel. Il faut un plan d'engagement. Finalement, qu'est-ce que moi, apprenant, je ressors de ces demi-journées, de ces journées, de ces 2 heures de classe virtuelle? Qu'est-ce que je prends comme engagement? 1, 2, 3, pas beaucoup plus. Qu'est-ce que j'ai envie de changer dans mes pratiques pour être plus performant dans mon quotidien? Et ça, la bonne pratique, c'est de la partager
à J plus 1, J plus 2, J plus 3 avec mon manager de proximité pour savoir comment lui peut-être il peut aussi m'accompagner, être vigilant sur ces quelques engagements que je me suis pris avec moi-même et sur lesquels j'ai envie de progresser. Et enfin, le à distance en individuel, c'est d'autres typologies d'accompagnement qui marchent très bien. Nous, on parle de séances de télétraining ou de visio-training, des séances d'entraînement, 3 quarts d'heure, 1 heure, un cas donné que je reçois 3 jours avant. J'ai un rendez-vous dans mon agenda, demain, 9 heures. Sauf que demain, 9 heures, ce n'est pas mon client qui va m'appeler ou un client pas comme les autres. C'est Jean-Paul, formateur, expert, coach en performance commerciale, en ce que vous voulez, et qui va dérouler le cas, qui va se mettre dans la posture d'un client. Et moi, en tant que conseiller, en tant que manager également vis-à-vis d'un collaborateur, je vais tâcher de découvrir mon client, d'argumenter ma proposition, de peut-être prendre un rendez-vous avec lui, peut-être en fonction des objectifs qui m'ont été demandés, de passer en vente à distance directement. Donc ça, c'est quelque chose, en effet, qui marche très bien, 45 minutes, 1 heure max, c'est très court, ça se glisse dans un agenda et on ressort à la fin avec un plan d'action clair, net. On ressort même avec, je vais aller un peu vite, avec 2 choses, un débrief construit. Et ça, c'est vrai d'ailleurs sur l'ensemble des modalités que vous voyez là. Une des clés de l'entraînement en situation professionnelle, c'est la qualité du débrief. Sur des séances de télétraining, visio-training, on peut avoir un double débrief. Débrief en tant que client ou que collaborateur, si on est dans la situation manager-manager. Voilà, qu'est-ce que moi, en tant que client, j'ai ressenti finalement de l'entretien qu'on vient de passer ensemble. Et puis, collaborateur, en tant qu'expert, coach, voilà ce que tu aurais pu faire de mieux. La petite découverte, là, tiens, regarde, je t'avais mis ça dans le cas, tu n'es pas allé chercher les 2-3 questions ouvertes qui t'auraient permis de savoir qu'en fait, hop, mon besoin, ce n'était pas celui-là exactement, c'était celui-là, etc., etc. De la même façon, sur une vision finalement moins training sur un cas donné, volet coaching à distance, télécoaching, visio-coaching, on va être finalement sur les codes du coaching où on va arriver à accompagner sur la thématique que souhaite le collaborateur autour de sa problématique ou de ses problématiques du moment. Tout ça, pareil, avec le même formalisme et le fait d'être non pas dans une séance de télécoaching, mais dans une succession de séances qui vont me permettre de progresser, de mettre en pratique, de bâtir un plan d'action avec mon coach. J'avance comme ça pour vous donner quelques autres exemples, là sur la situation réelle. Et pourquoi pas? Pourquoi ne pas demander à ses collaborateurs, ses managers, peut-être plus compliqué, de s'enregistrer en visio, comme je le fais là, et puis de faire 2 choses. Déjà, de se demander derrière, peut-être de revoir quelques séquences, et puis avec une grille qu'on vous a fournie, de faire son auto-diagnostic de sa performance, performance commerciale, performance managériale, et pourquoi pas. Et pourquoi pas derrière l'envoyer à un coach qui lui-même va faire le même exercice en regardant votre entretien, qui va lui-même finalement se poser tout un tas de questions, et derrière avoir un rendez-vous de vidéo coaching qui va permettre de partager finalement ce qu'on a perçu. Et vous, en tant qu'apprenant et le coach, comme bonne pratique et axe d'amélioration. C'est ce qu'on peut faire, c'est la puissance également aujourd'hui du développement de la visio qui nous permet finalement de franchir ce cap-là, en tout cas pour les entreprises les plus affûtées sur ce volet de l'entraînement en situation professionnelle, et de le traiter en asynchrone, ce qui a beaucoup de vertus également dans le traitement de la formation en situation professionnelle. 2 autres, plus classiques, encore que la double écoute, encore faut-il faire, un manager à côté, qui n'est pas dans son bureau, comme on le voit trop souvent dans les organisations qu'on accompagne, mais qui est au contact de ses collaborateurs, qui est là pour l'écouter, qui est là derrière, bien évidemment, pour le débriefer et l'accompagner dans ce qui aurait pu lui permettre d'avoir un entretien client encore plus performant, quel que soit le type d'entretien. Et puis, chez Business, depuis quelques mois, on n'en faisait pas avant le Covid pour tout vous dire, on s'est lancé également dans le monitorat à distance avec quelques clients historiques pour arriver à distancialiser ce monitorat terrain qui donne beaucoup de résultats, qui permet d'être vraiment dans les ambitions que j'ai présentées juste avant,
et qui permet derrière d'atteindre finalement les objectifs qu'on se fixe. Un peu de logistique, un peu de confiance, un peu de transparence également, on va y revenir. Mais à partir du moment où on arrive à donner du sens à l'entraînement, que ça soit finalement à ses collaborateurs et pourquoi pas à ses clients également. C'est ça l'audace aussi, c'est dire, bah tiens, voilà, aujourd'hui, telle boîte, on est dans une dynamique où on veut permettre à nos collaborateurs de s'entraîner. Donc oui, je suis là, voilà, je ne ferai pas de bruit, je ne suis pas là pour intervenir, je suis là pour pouvoir derrière aider mon collaborateur à être plus performant et je vous souhaite un très bon rendez-vous. Et pourquoi pas ? J'avance. J'imagine que ça génère chez vous aussi quelques petites réflexions, projections, j'espère. Je vais passer assez vite parce que finalement, je vous ai donné tout un tas d'exemples là en présentant ces différents véhicules pédagogiques, quel que soit le type de situation. Hein. On a fait un zoom, j'ai fait un zoom là avec les équipes, forcément sur aujourd'hui le cœur de métier du Go Business. Donc voilà, le coaching à la performance commerciale d'une force de vente, vraiment l'entraînement en situation professionnelle sur de la vente. Est-ce qu'il est à l'aise, ce follet, bien évidemment, de diagnostic flash, ces situations prospect-client très diverses, la force finalement des différentes modalités pédagogiques que je vous ai présentées juste avant. Je pense là au télétraining, au visio-training, c'est la simplicité. Simplicité de faire un cas client, des cas clients, on en a tous, on les connaît par cœur, il suffit de le formaliser, c'est une page Word, je vais vous montrer après juste un petit exemple. Voilà, dans quelle situation est le collaborateur, dans quelle situation est le client pour aider le coach. Et puis c'est parti. Il suffit d'oser le programmer, oser le présenter au collaborateur, oser derrière le dérouler, oser débriefer avec les bons codes du débrief. On va y revenir. Derrière, bah, des rendez-vous réels, performer lors de rendez-vous en point de vente. Et oui, pourquoi pas? Pourquoi pas être en accompagnement sur des rendez-vous réels pour accompagner ses collaborateurs et identifier les petits trucs qui font qu'aujourd'hui, il manque un petit détonateur. C'est souvent pas tant de choses que ça, mais ça fait beaucoup. Et puis, tout le volet manager également, ce sont des modalités qui s'y prêtent énormément. On parle beaucoup, je trouve, à titre perso, de coaching. Coaching, c'est bien, mais d'être en capacité d'accompagner un manager en situation réelle de management, c'est pas simple, mais pourquoi pas. De faire des vie ma vie de manager ou d'avoir des conversations manager-manager, mais avec un manager qui est un collaborateur pour l'entraîner à faire un feedback, pour l'entraîner à faire un débrief, pour l'entraîner à co-construire un plan d'action. J'en passe et des meilleurs, ces fondamentaux du management qui sont censés être maîtrisé, mais on se rend compte, nous, au quotidien, bah, que des fois, il manque des petites recettes, il manque un peu de soft skills. Ce fameux comportemental bah, que personne n'a osé dire finalement au manager et qui fait que quand il arrive en entretien, face à face avec son collaborateur, la relation se tend un petit peu. Je pense que vous voyez exactement et qu'on a tous vécu ce type de situation à titre personnel. Donc ça, voilà, tout un tas d'exemples. Et puis j'imagine, et c'est tout l'enjeu d'ailleurs d'un business, c'est d'aller imaginer plein d'autres exemples avec ses clients, de se saisir de ces modalités pédagogiques-là et d'arriver à les intégrer dans le quotidien de la montée en compétence de nos clients. Alors, avant de vous laisser un petit peu la parole, 5-6 recettes là, opérationnelles, très simples. Déjà, bien évidemment, la posture du formateur, de l'animateur, du coach. C'est pas inné de savoir faire de l'entraînement en situation professionnelle. Donc, il faut également former un formateur à devenir entraîneur-entraînant d'équipe. Et ça, c'est assez essentiel, savoir à la fois concevoir, on va en reparler juste derrière, animer et débriefer est une vraie compétence. Qui se développe et qui permet d'être aujourd'hui performant dans les situations que je vous ai données juste avant. En effet, je viens de vous le dire, encore faut-il savoir concevoir, savoir finalement travailler cette ingénierie pédagogique en mettant au cœur l'entraînement, que ça soit en présentiel, que ça soit également en distanciel,
pour rendre acteurs ces apprenants et être en mesure de faire des cas au plus proche du quotidien. Franchement, c'est pas sorcier. Voilà, il faut avoir quelques clés, il faut savoir comment s'y prendre, il faut avoir des cadres, des grilles, mais derrière, ça peut permettre assez facilement d'aller monter ces séances d'entraînement. Et donc, à partir du moment où on va être dans la régularité, on va être dans une dimension finalement de stratégie d'entreprise, on va être dans ce centre d'entraînement. Troisième clé, la formalisation, essentielle. Trop souvent, on peut voir chez nos clients qui ont pour autant certains de nos outils, bah, que ce volet, la formalisation, est malheureusement trop peu utilisé. Et pour autant, en termes de prise de conscience, le fait de faire sa séance, le fait d'avoir ce débrief un peu cash, c'est une bonne chose. Le fait d'avoir la note écrite à la fin qui permet de dire « Ok, voilà ce qui s'est bien passé, voilà ce qu'il faut que tu améliores pour la prochaine séance que tu as dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, avec ton manager, avec moi ou avec un autre de mes collègues animateurs, formateurs ou un autre coach externe », c'est essentiel. Essentiel déjà pour le suivi de cette fameuse performance, et puis essentiel également bah, pour se dire un peu les choses, se dire les choses c'est bien, se les écrire c'est encore mieux. La durée de la séance d'entraînement, je pense au collectif, je pense également en individuel, pas trop long. Voilà, ça prend beaucoup de ressources, comme un webinar là, je vais sortir d'une heure bien rincée, parce qu'il faut de l'énergie, donc il faut arriver à rythmer, et l'énergie elle est à la fois pour le formateur et également pour le former, et puis on le sait tous très bien aujourd'hui, on court tous après le temps, c'est la même chose pour vos collaborateurs. On voit, nous, la puissance d'avoir des séances comme ça, en tout cas en distanciel, d'une heure, une heure et demie max, sur la performance au quotidien. On a même eu le loisir et l'honneur, je dirais, d'arriver à mailler entre justement ce type de modalité pédagogique et les performances sur les ventes. Et on voit dans la semaine ce que ça provoque chez les collaborateurs et au-delà des trucs et astuces que le coaché va donner à son collaborateur, que le coach va donner à son collaborateur, pardon, bah c'est tout simplement en fait d'y penser, voilà, de repenser finalement à cette structure d'entretien, de repenser à ces petits trucs et astuces qui vont permettre d'être plus performants, et on revient derrière sur la régularité. Et puis la taille du groupe, j'en ai parlé, voilà, essentiel, si vous voulez vraiment être dans l'entraînement, notamment dès qu'on est sur du collectif, que ça soit en face à face ou à distance, essentiel de limiter la taille des groupes. Et puis savoir s'outiller. Oui, c'est en effet assez essentiel. Essentiel de savoir s'outiller pour aller mettre en œuvre ce type de centre d'entraînement. Alors déjà de s'outiller en outils de classe virtuelle pour le volet droit. À distance, chacun maintenant, je pense, est plus ou moins outillé avec des Teams, des WebEx, des Global, des Zoom & Co. S'outiller également en termes d'outils d'interaction pendant sa classe virtuelle ou pendant sa journée ou sa demi-journée présentielle. J'en ai cité quelques-uns, il y en a plein d'autres. Voilà, des klaxons, des kahoots qui sont des petits quiz, des petits jeux pour aller chercher de l'interactivité. On est peut-être moins dans l'entraînement, mais ça permet aussi, encore que, d'aller verrouiller tout un tas de savoirs tout au long de sa journée, demi-journée. Et puis également un outil, je salue Alexandre Vaquier, là, qui est toulousain, un outil très sympa de vidéo feedback qui s'appelle Vive. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder. C'est un outil voilà, plutôt sympa pour aller travailler ce vidéo coaching. Aller finalement détecter comme ça en collectif ou également en individuel ce qui est bien et moins bien dans n'importe quelle situation. Et puis, un peu de promo quand même. Alors à la fois, je vous ai mis la marque Teachers sur la partie gauche de ma slide qui est là aujourd'hui l'offre du groupe business bah, pour savoir accompagner des professionnels de la formation et notamment vous accompagner et accompagner des coachs à devenir entraîneurs entraînants. Donc, ce qu'on fait beaucoup pour tout vous dire, ce qu'on faisait déjà pas mal avant le confinement, ce qu'on fait énormément depuis le mois de mars. Et puis également un autre outil qui s'appelle Hub, je vais vous montrer quelques écrans, on n'est pas là pour ça, et puis si ça vous a dans d'autres éléments, mais il faut pouvoir l'organiser ce centre d'entraînement, il faut pouvoir les gérer ces séances d'entraînement, collectives ou individuelles, face à face ou à distance, il faut pouvoir planifier, replanifier, parce que bah oui, la veille, c'est notre quotidien, hein. On a des apprenants qui finalement ne peuvent pas
honorer leur séance, bah, c'est pas grave, tiens, tu as un petit outil qui va te permettre de replanifier la semaine d'après. Et puis également de centraliser tout le volet de la formalisation, d'être en mesure de concevoir un reporting sur mesure en fonction des séances d'entraînement, en fonction de ce que je veux travailler, et puis de noter en live en tant que formateur ses forces et ses axes de progrès. Donc voilà un peu sur quelques recettes opérationnelles. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Merci Pauline là, pour le petit lien. Tchouk. Ouais, je vous ai mis derrière quelques petits... je ne sais pas si vous voyez très bien. Ça ne ressort pas très bien, mais voilà le type de... Ce que je voulais là, c'était vous illustrer. Alors, c'est dans le cas d'une séance de télétraining ou de training que peut organiser Business, mais finalement, je ne suis pas si éloigné de ce qu'on pourrait faire sur les autres typologies de modalités pédagogiques sur ce volet entraînement. Un cas pratique, simple, la vision conseiller, collaborateur, simple, c'est quoi le schéma du client que je vais appeler, c'est quoi les objectifs pédagogiques, la vision du consultant, voilà, tout ce volet un peu off, qu'est-ce que le conseiller dans son entretien peut aller chercher ou ne pas aller chercher. Donc on a bien ces deux versions-là. En général, ça fait aller un recto verso. Un recto verso concrètement sur ce fameux cas pratique. Et puis, une grille de reporting essentielle, à la fois sur les objectifs atteints ou non atteints ou atteints partiellement, si c'est un objectif d'entretien de vente ou de management, et puis à la fois le volet plutôt soft skills, on va dire, comportemental ou de sa méthode finalement. Voilà, est-ce qu'il a réussi à traiter les objections et qu'est-ce qui lui a manqué? Est-ce qu'il a déroulé la méthode XYZ qu'on lui avait donnée un mois avant? Est-ce que la phrase d'intro, la phrase de conclusion était bonne? Finalement, tout un tas d'indicateurs simples qui doivent contribuer à la performance de la séance d'entraînement. Pas forcément dans les bonnes pratiques, parce qu'on l'a vu là, de la diffuser avant, de la partager bien avant, etc., en disant les recettes, voilà, mais de la partager avant, on se retrouve avec des apprenants en face qui l'ont imprimé et qui s'amusent à, en parallèle, bien préparer, etc., etc. Voilà, l'idée, c'est d'être au plus proche du réel. Au plus proche du réel, on a rarement sa grille là de performance avec tous les indicateurs qui vont être notés, puis le petit commentaire qui va bien. Donc ça, ce qu'on demande nous à nos coachs, c'est de l'avoir rempli le soir même. Des séances de télétraining, visio-training, on en fait nous entre 5 et 6 à la journée sur des séquences de 3 quarts d'heure, 1 heure. Et puis derrière, avec le temps pour le formateur, d'arriver à formaliser ça, passer à la suivante. Et c'est là où, en effet, quand on veut un peu l'industrialiser, qu'il est pas mal d'être un peu outillé. Après, tout dépend, en effet, des volumétries. Je vous ai mis quelques planches. On remettra le document de toute façon sur la plateforme. Cette présentation un peu de up là, qui est voilà, notre outil de gestion de tous ces accompagnements face à face ou à distance, collectif ou individuel, tout paramétrable en mode SaaS pour permettre d'encadrer, de monitorer toutes ces séances. Et puis, bah voilà, vous voyez, avec le petit agenda qui va bien, le petit planning, la petite organisation des sessions, le petit pilotage, en tout cas tout ce qu'il faut pour une équipe d'animation, une équipe de formateurs internes, un formateur indépendant pour arriver à organiser ces séances et être totalement autonome. Voilà. Alors, j'ai une dernière petite séquence là avec les mauvaises pratiques à ne surtout pas reproduire. Est-ce que, déjà, des petites questions? J'ai été assez bavard, il reste une petite vingtaine de minutes. Je vais aller très vite. Je pense que j'ai dit pas mal de choses déjà sur la suite. Mais je vous laisse déjà, allez, à la limite, je vais aller au bout, comme ça, on aura bien un bon quart d'heure ensemble là, pour échanger. N'hésitez pas là, à phosphorer sur vos questions pour que ça nourrisse les échanges et les débats de la fin de ce webinaire. Et je finis avec ce qu'il ne faut surtout pas faire. Là, on va parler retour d'expérience. 4 mauvaises pratiques. La première. Elle est essentielle, sous-estimer le sens à donner aux collaborateurs autour de l'entraînement. C'est essentiel, c'est stressant, une séance d'entraînement, surtout quand on n'a pas souvent l'occasion d'en faire. Donc, je peux vous assurer qu'on commence à accompagner quand même là depuis 13 ans pas mal de boîtes, notamment sur tout le volet télétraining, visio-training, télécoaching, visio-coaching, qui a beaucoup de succès.
je peux vous assurer que la première séance, que ce soit d'ailleurs pour un manager ou un collaborateur, elle est stressante. Elle est stressante parce qu'il y a un reporting qui est envoyé, en général au collaborateur et à son manager. Et donc, il faut donner du sens, il faut que le top manager donne du sens à tous les collaborateurs sur cet entraînement de situation professionnelle. Tu te trompes, c'est pas grave. C'est fait pour. C'est fait pour que tu puisses t'améliorer. Voilà, essentiel d'avoir ce discours mobilisateur si vous souhaitez vous lancer dans ce type de choses-là. Et même si dans ces séances d'entraînement, on est en situation au plus proche du réel, voire au réel, dans le cadre là, des monitorats, dans le cadre des doubles écoutes, c'est pas grave. Justement, s'il y a quelqu'un qui est là à côté de toi, c'est pour te permettre demain d'être plus performant. Ce message-là est essentiel. Se tromper, savoir se remettre en question, s'améliorer, c'est avant tout ça. En tout cas, c'est une des recettes d'entreprises qui souhaitent se donner de l'oxygène, qui souhaitent progresser, qui souhaitent garder ses talents. L'importance essentielle du top management dans cette notion-là. Numéro 2, décider que les managers n'en ont pas besoin puisqu'ils sont managers. Archi faux, en effet. Et pourquoi on ne leur demanderait pas ? Pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas aux managers s'ils ont envie ou pas de s'entraîner sur des choses qu'ils font peut-être un peu moins, mais sur lesquelles ils sont peut-être censés, voire sans doute censés, accompagner leurs collaborateurs ? Cette fameuse exemplarité managériale. C'est souvent beaucoup plus simple, derrière, d'aller travailler cette posture, travailler cette audace, si le manager est lui-même dans cette posture-là. Donc, vivre ce que mon collaborateur va vivre pour mieux le préparer, mieux l'accompagner, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup dans l'ensemble de nos dispositifs de montée en compétences. Troisième mauvaise pratique, être trop bienveillant dans le débriefing d'une séance d'entraînement. Si on est là pour s'entraîner, on est là pour dire les choses, dire ce qui va bien et insister sur ce qui va bien, mais également dire ce qui ne va pas bien et c'est pas grave. Il faut que tu progresses là-dessus. Alors, c'est plus ou moins simple à dire, certes, mais c'est tout l'enjeu et c'est tout le sujet, d'ailleurs, pour tout vous dire, des organisations dans lesquelles on va former des animateurs ou des formateurs internes à ce type de posture-là pour qu'ils ne basculent pas dans cette forme de bienveillance vis-à-vis de leurs collègues qui voient la cantine, qui voient trois semaines après et sur lequel, bah ouais, c'était pas au niveau. Bah, si c'est pas au niveau, il faut savoir le dire. À la limite, on recommence, hop. Mais il faut savoir le dire, bien débriefer et dire ce qui aurait pu permettre d'être plus performant dans sa séance. Donc, savoir encaisser ce qu'on croit bien faire depuis des années, c'est tout le sens également de l'entraînement en situation professionnelle. Et puis, la dernière, j'en ai pas mal parlé, la formalisation écrite. Pareil, dans des organisations en transformation, on voit bien que ça s'étiole un petit peu cette formalisation. On le voit, nous, chez des clients qu'on accompagne depuis pas mal d'années, que, bah tiens, mais il est où le reporting ? Ah ben, mais là, en fait, mon animateur, il l'a pas fait, en fait. Ah oui, mais s'il n'y a pas cet effet qui se coule à la fin, qui permet aussi de se dire et de s'écrire les choses, on va perdre une grande partie de la performance de la séance d'entraînement. Deuxième effet, j'en ai parlé, aide au partage avec son manager, socle du plan d'action, puisque tout ça, au-delà de la séance d'entraînement, ça doit nourrir un plan d'action professionnel et permettre aux collaborateurs d'être plus à l'aise dans son quotidien. Et donc, en synthèse, que retenir de tout ça? Que retenir de ces mauvaises pratiques et qu'est-ce qu'il faut faire sur ces séances d'entraînement? La régularité, j'en ai parlé au début, au milieu, à la fin. Le rôle du manager, des top managers, avant pour préparer, après pour débriefer et accompagner. La professionnalisation du coach, de l'animateur, du formateur, voire du manager, parce qu'il y a certaines organisations où le terme manager-coach est une réalité, et donc ils ont formé leur manager à être capable de faire ses propres séances d'entraînement. L'outillage, vous l'avez compris, et puis la performance, on n'a pas beaucoup parlé, j'ai fait au mois de juin un webinar un peu plus macro, on va dire, sur l'entraînement, j'en parlais beaucoup plus largement. Et voilà, faire le lien entre ces séances d'entraînement et les indicateurs clés de performance qu'on va se mettre sur la table, quelque chose d'essentiel. J'en ai un peu parlé, notre point A, notre point B, essentiel pour arriver à faire progresser. Ne pas confondre bienveillance et exigence. Merci Jérôme, 100% d'accord avec toi. Et encore faut-il, je reviens à mon rôle du manager et du top manager,
on essaye de plus en plus, voilà, d'intégrer des top managers dans ces fameuses webconf de lancement, à défaut de faire du présentiel, pour rappeler également finalement le sens de l'entraînement, le sens de la bienveillance, le sens de l'exigence, le sens du geste bien fait, et toutes les ambitions que j'ai rappelées juste avant. Voilà, pour moi, il nous reste une bonne dizaine de minutes là pour échanger sur tout ça. Qu'est-ce que ça génère comme remarque, comme envie, comme question? À vous de jouer pour échanger un petit peu. Et puis peut-être, là, il y avait a priori sur les personnes qui étaient présentes, des gens qui avaient déjà lancé un peu cette dynamique d'entraînement professionnel. Je suis voilà, curieux de vous lire là, peut-être de partager, je le lirai à tout le monde, partager un peu votre retour d'expérience, n'hésitez pas. Je n'ai pas prévu de sondage, sinon je vous aurais demandé si ça vous donne envie de, pour ceux-là qui avaient répondu non ou j'y réfléchis, de vous lancer là-dedans. Alors, il y a un sujet de maturité, hein, d'organisation également. Mais j'espère en tout cas que c'est le cas. Alors, est-ce qu'on a une ou deux questions? Ou pas? C'est toujours la première Pauline qui est plus compliquée. Bon, écoutez, peut-être que tout est clair. Je sais qu'il y a un petit peu de latence également. Donc, ça va me permettre, en attendant qu'on ait peut-être une ou deux, de vous dire déjà que j'étais ravi. Alors que, je ne sais pas que ça s'est senti, mais c'est un sujet voilà, qui est pour nous un sujet clé sur lequel on travaille quotidiennement. Ravi de partager tout ça, ravi de l'avoir formalisé, la trace écrite. Voilà, ce sera utile. Je le sais à tous les collaborateurs du groupe business déjà, et puis ravi de l'avoir partagé assez largement. Je suis disponible pour échanger sur tout ça, bien évidemment. Vous avez mon mail. Il suffit d'appeler le standard du groupe business que vous trouverez sans trop de problèmes pour avoir mon numéro également, disponible sur LinkedIn. Vous trouverez pas mal d'infos également sur le groupe business, sur notre site internet, autour des types de solutions. Vous en avez vu pas mal sur le volet de l'entraînement, d'autres solutions sur le volet digital. Up, c'est quoi? Ah, merci Bruno. Up, alors je peux revenir un petit peu dessus, c'est une plateforme, aujourd'hui, c'est la plateforme de gestion de tous ces accompagnements terrain-là. Ça va sur le volet de l'outillage. C'est très bien d'avoir un centre d'entraînement, mais si je n'ai pas d'outils pour gérer ce centre d'entraînement, je vais avoir du mal à le mettre en œuvre. On a notre propre outil chez Business qu'on a mis à disposition des professionnels de la formation pour qu'ils puissent eux-mêmes avoir leur centre d'entraînement. Donc, ça va permettre d'aller organiser ces séances en collectif, en individuel, en collectif, en face-à-face, en à distance. C'est ultra paramétrable. Ça va permettre d'aller inviter des collaborateurs, au-delà de les inviter, qui reçoivent l'invitation de planifier un créneau en fonction des plages que vous aurez ouvertes, bah, ça va surtout leur permettre ou aussi de se replanifier. C'est le problème qu'on a, nous, quotidiennement chez Business, donc on a dû s'outiller là-dessus. Et puis, dernière partie ultra importante, tout le volet du reporting, ça va permettre d'aller paramétrer finalement, comme vous le souhaitez, un outil, un reporting, et donc derrière d'aller le partager, d'appuyer sur envoyer, une fois que vous l'aurez rempli, de l'archiver, bien sûr, intéressant, qu'il soit toujours à disposition de l'apprenant, et surtout de lui envoyer par mail, ainsi qu'à son manager, à la fin de votre séance d'entraînement. Tout ça, bien évidemment, avec un petit volet de stats qui permet de gérer son centre d'entraînement et d'être 100% autonome sur ses séances. Voilà, j'espère, Bruno, avoir répondu à votre question. Merci en tout cas, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Tac, tac, tac. Sabine. Ah voilà, ça a mis un peu de temps. Alors, nous avançons sur l'organisation apprenante. On se rend que c'est très difficile de faire adhérer les managers, oui, qui considèrent que ce n'est pas leur job. Comment faire pour les faire adhérer? Ah, super.
Ouais, ok, tac. Alors, excellente question. Excellente question. Je dirais, allez, en tout cas, dans les recettes qu'on a vues marcher et que j'ai vues marcher ou que je vois marcher, puisqu'on est en ce moment même en train d'accompagner des organisations apprenantes à mettre leur manager au cœur de ce dispositif. On a eu des partis pris assez forts. Je vous fais un retour d'expérience avec une caisse d'épargne près de Dijon. Cédric m'en voudra pas de témoigner de ce sujet-là, où on a démarré il y a maintenant 18 mois avec une volonté très forte du top manager, mandataire BDD en l'occurrence Cédric, de mettre les managers au cœur de son organisation apprenante. Clairement, c'est quand même une très très bonne recette pour permettre réellement d'avoir ces fameuses planètes alignées et d'avoir ce discours cohérent entre le top manager et les différentes lignes managériales. Ça ne suffit pas, mais c'est un premier sujet également très important dans les choses clés aussi qu'on a pu faire là dans cet exemple-là et qu'on est en train de mettre en œuvre d'ailleurs dans d'autres situations. On n'accompagne pas les collaborateurs. Gros Business fait zéro accompagnement au niveau des collaborateurs. On accompagne uniquement les managers et les managers-managers. Et c'est aux managers et aux managers-managers, à nous de les responsabiliser avec à chaque fois sa ligne hiérarchique pour qu'ils mettent en pratique. Et donc, c'est aux managers-managers d'accompagner à nos côtés les managers et c'est les managers d'accompagner à nos côtés, même pas là, les collaborateurs. Okay. Donc, c'est vraiment aller au bout finalement de cette logique d'entraîneur-entraînant. Et bien, si on est dans cette logique-là, mettons-les au cœur du jeu, au cœur du parcours. Forcément, le sujet derrière, dans les objections, ah, mais j'ai pas le temps. Eh oui, j'ai pas le temps. Mais c'est là où en effet, c'est pas simple à gérer, mais c'est là où il y a un moment, il faut que les planètes soient alignées. Et il nous est arrivé d'ailleurs, pour tout vous dire, ces derniers mois, allez, ces 2 dernières années, de refuser des dispositifs parce que ces fameuses planètes, elles ne sont pas alignées. On ne va pas y arriver. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des top managers qui sont dans d'autres priorités, on le comprend encore plus en 2020. Pourquoi y aller pour être certain que derrière, ça ne soit pas porté? Voilà. Donc aujourd'hui, on demande, nous, business, sur certains moments clés du projet, au cadrage, au lancement, voire même sur des séances de formation, sur cette fameuse caisse d'épargne, nos séances de formation ont démarré ou ont fini, c'était un 2 jours présentiel, c'était l'année dernière, avec des top managers qui étaient là au début, qui étaient là à la fin. C'est des signaux également qu'il faut donner, qu'il faut rappeler, ça prend du temps, hein. Ça prend du temps, mais c'est une vraie transformation managériale. Et puis, c'est aussi d'insuffler, de remettre tout le monde finalement dans son job, hein, c'est-à-dire des collaborateurs qui sont là pour exécuter, pour faire, pour réfléchir, pour donner des idées également, des managers qui sont là pour manager, des managers-managers qui sont là pour manager leurs managers, pour faire en sorte qu'eux soient au contact de leurs collaborateurs. On a trop souvent des organisations qu'on accompagne qui ont des managers plus exécutants. Alors, pour tout un tas de raisons, hein. Ils peuvent être RH avant tout, tiens, tel est absent, tel est absent, certes, mais c'est aussi des questions de priorité, c'est aussi une question de savoir déléguer, c'est aussi une question de savoir se donner des temps dans son agenda pour accompagner plutôt que faire. Et souvent, l'impulsion, elle vient quand même d'en haut. Si on est un manager, et je finirai peut-être là-dessus, qui n'est pas que sur le combien, mais aussi sur le comment. Ça change beaucoup de choses et ça change beaucoup de choses dans le pilotage d'activité. C'est sûr que si tous les lundis on est en mode bah, tiens, combien t'as un tableau de bord, combien t'as fait, mais pas le comment t'as accompagné ton client. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, raconte-moi, qu'est-ce que t'as bien fait, moins bien fait. Bah, finalement, on va avoir un peu plus de mal à aller embarquer ces managers, à aller embarquer cette entreprise apprenante. Nicolas, même problématique que Sabine pour les formations sur site ou en ligne, mais pour la partie en situation de travail, la plus importante, c'est très compliqué à gérer. Oui, vous donnez envie, merci Gilles. Nicolas, donc pareil, ce qui est compliqué à gérer, c'est la posture managériale, j'imagine, Nicolas.
C'est sûr que ça nécessite de mettre voilà, ce volet managérial au cœur de vos projets de transformation. J'ai pas plus tard que tout à l'heure répondu à un bel appel d'offres et en effet, on ne répond plus aujourd'hui à un seul dispositif ou presque sans mettre cette problématique managériale au cœur de notre réponse. Avec plaisir, Sabine. J'espère avoir un peu répondu. En tout cas, voilà un petit témoignage là d'un client. On pourrait en avoir d'autres. Mais celui-là, c'est celui le plus avancé avec un peu plus de recul. Puis surtout, ça marche. Même si on n'est pas encore arrivé à notre fameux point B avec Cédric Mignon. D'autres questions ? Nicolas, Gilles ? Bon, bah écoutez, ben merci, voilà, merci à tous, merci pour ce petit point sur le volet managérial parce qu'il est, il est essentiel. Mais merci Nicolas, parce qu'en effet, c'était l'enjeu là qu'on s'est fixé, c'est d'être assez pragmatique, voilà, de se dire, bah tiens, comment vous pouvez ressortir finalement avec des choses concrètes à aller enrichir sur votre année 2021. Et j'espère que vous vous dites en sortant de ça, tiens, il y a des trucs quand même peut-être pas si compliqués à faire. Ça demande en effet une vraie dynamique d'entreprise, mais ça a été vraiment ce qu'on a voulu vous partager. Un rendez-vous d'ailleurs, je me permets de partager jeudi 8 octobre, c'est ma collègue Aurélia qui prépare ça à 14h30. Là, on va rentrer non pas dans une solution, mais dans un sujet, l'excellence relationnelle. On aura une guest star de chez Allianz qui sera également là pour témoigner. Franchement, ça va être sympa. Et d'ailleurs, le sujet de jeudi, là, qui était un sujet d'ambition excellence client, on l'a traité uniquement avec le prisme managérial. Venez poser toutes vos questions jeudi après-midi. Aurélia, Cyril en seront ravis. Un grand merci à tous. Ravi d'avoir pu échanger avec vous, et puis ben, n'hésitez pas à me contacter, à contacter Business, à nous poser tout un tas de questions, à regarder notre site internet, à vous abonner à notre page LinkedIn, à notre blog. On essaye voilà, d'arriver à alimenter un peu les réflexions sur ce type de sujet qui nous est cher, vous le voyez bien. Merci à tous, à très bientôt, j'espère, sur un prochain webinar ou au téléphone, voilà. Je vous remercie.